No one can save us now. The gates are open. Du premier coup. Au revoir ma moto. Et puis là, c'est parcours d'obstacles un peu. Putain, l'état de la route, quoi. L'état de la route. En largeur, ouais. Mais c'est le même principe. Quand tu tournes, faut que tu cherches les panneaux au-dessus des portiques. Ouais. Ok. Elle était au point mort. Ah, celui-là, elle était propre. Attention, et maintenant tu mets du frein ou du frein moteur, mais à si basse vitesse ça pique. Et là, le regard, voilà. Ça, c'était bon, ça. Olé! Je crois qu'elle s'est fait peur. C'est fait peur. Le regard, trop tard. T'as vu, pour le virage, t'as vu la différence avec le regard? Là, celui-là, t'as commencé à tourner la tête trop tard, ce qui fait que t'as pris large. Et celui d'avant, de suite, t'as tourné la tête et t'es même pas rentré dans les places de parking quasiment. Ouais. T'as tourné vachement plus serré. C'est là que tu te rends compte la différence. Ouais, vraiment. On essaie de l'autre sens. Après, je te... Oh bon. Ça fait bizarre, quoi, tu devrais être. Bah surtout que, en fait, t'accélères. Et tu dis, putain, elle avance pas. Ah merde. Et en fait, c'est que tu relâches d'un coup, donc la vitesse, elle se met en prise d'un coup. Ça fait... Et ça te met une petite fessée. Ouais. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Et puis en plus, j'ai remarqué là en virage, tu t'es laissé avoir un peu par la vitesse parce qu'en fait, quand tu tournes à gauche au début, quand t'es pas habitué, comme tu tournes, ça te tire le bras et en fait, t'as la main qui reste tirée, accrochée sur la poignée, donc tu mets du gaz. Donc tu tournes et en même temps, tu te fais avoir par la vitesse. Et c'est pareil, c'est un truc, faut réussir à. Mais c'est là que tu te rends compte aussi de. Après, ça devient des automatismes, mais de tout ce qu'il y a à faire en même temps, c'est pire qu'une voiture. Ouais. Ouais, c'est à force de... Ah bah ouais, le bandit, je l'ai eu en janvier l'année dernière et j'ai commencé à vraiment connaître la moto, à maîtriser, je sais pas, en octobre, parce que au début tu viens d'avoir le permis, tu vas doucement, après de plus en plus t'attaques un peu plus les courbes, tu drilles dans des virages que tu connais, tu passes toujours aux mêmes endroits, comme ça tu sais repérer déjà s'il y a un truc pas habituel, et puis après petit à petit tu voilà. Ouais, et après t'as mis combien de temps au permis moto pour assimiler le GPL? Ouais, ça a été assez vite, mais ça se... De toute façon, au plateau, il te... Enfin, moi, en tout cas, j'avais un super super prof, donc ça se fait bien. Puis c'est des motos plus récentes. Ouais. Parce que là, t'as vu, si tu passes mal la vitesse, machin, tu le sais tout de suite. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, et là, tu tournes la tête. La tête, la tête, voilà, le regard. T'embêtes pas du sac poubelle. Ah, c'est propre. Voilà, la tête, la tête, la tête, la tête.
On peut pas abuser non plus, hein. Moi, je commence tout juste à m'y mettre. Ouais. Ouais. Comment ? Mais c'est lourd. For sure, if this is what you wanted.